Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la préparation des concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des qualités à développer pour réussir justement un concours de la fonction publique. Vous savez certainement que les concours sont très sélectifs. C'est d'ailleurs le but des concours puisque on cherche à recruter les personnes selon leur niveau de compétence, hein, on a un souci d'excellence lorsque l'on recrute par concours, donc forcément on est à la recherche de gens qui possèdent un certain nombre de qualités. Alors, quelles sont-elles, me direz-vous? Les qualités pour préparer un concours, la première c'est d'être déterminé et persévérant, la deuxième c'est d'avoir une bonne méthode de travail, la troisième c'est d'être rigoureux et d'avoir le sens de l'organisation. La quatrième, capacité d'analyse et de synthèse. La cinquième, la maîtrise de la communication écrite et orale, puisqu'il y a deux épreuves en général. Et la dernière, c'est de gérer son stress et sa confiance en soi. Donc on va les passer tout en revue, hein. Du coup, je regarde un peu mes notes pour ne rien oublier, c'est important. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Muratiol, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique territoriale et formateur aussi depuis une vingtaine d'années. Et je prépare au concours de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale. Je participe parfois à un certain nombre de concours. Donc, je pense avoir une grande légitimité pour vous parler aujourd'hui. Alors, première qualité, la détermination et la persévérance. La préparation d'un concours va se dérouler, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, donc j'ai la certitude que vous les avez déjà vus. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à les regarder. Pensez à vous abonner, comme ça au moins ça sera fait et vous aurez justement toutes mes prochaines vidéos. Si vous préparez un concours, donc ça sera plutôt une bonne nouvelle. Donc pensez bien à vous abonner. Le parcours va être semé d'embûches, il va être long. Il va y avoir des soirs, vous allez être fatigué, vous allez rentrer du travail. Vous allez avoir peut-être vos enfants, vous allez avoir votre vie de famille, votre vie de couple peut-être, qui va prendre un peu le dessus, ça va être compliqué. Vous allez vite, parfois peut-être, vous décourager dans le cadre de votre préparation de concours. Donc, prenez-en conscience dès maintenant, le parcours va être long. Va être semé d'embûches. Vous allez beaucoup travailler peut-être en vous disant que si ça se trouve, tout ce travail est fait pour rien. Donc soyez vraiment conscient de ça, ça va vous aider à l'accepter. Si vous pensez que ça va être difficile, la moindre difficulté, vous allez arrêter. Donc dites-vous bien que ceux qui échouent, le plus souvent, ce sont ceux qui abandonnent. Donc si vous êtes déterminé, persévérant, et que vous travaillez sur du long terme, vous mettez toutes les chances de votre côté. Hein? Encore une fois, vous allez avoir des moments de découragement, c'est évident. Hein? Que ce soit, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans une préparation de concours, c'est comme quand on lance un business, par exemple, il y a des moments où on se dit wow, « super, tout va bien », puis des moments où on en a marre, on est fatigué, etc. C'est la même chose. Donc vraiment, ayez conscience de ça, et puis dites-vous bien que tous les petits échecs que vous allez avoir, c'est aussi une étape vers la réussite. Hein, tout ne va pas se passer normalement, vous allez peut-être rendre des devoirs si vous êtes accompagné dans le cadre de votre préparation, vous n'aurez pas des bonnes notes au début, ça va vous décourager, vous allez peut-être faire des simulations d'oral qui ne vont pas être bonnes, ça va vous décourager. Ne vous découragez pas, persévérance et détermination. Deuxième qualité nécessaire d'avoir, c'est avoir une bonne méthode de travail. Organisez-vous. Créez-vous un plan de révision, quelque chose d'ambitieux, pas trop, parce que si vous ne le tenez pas, vous allez également être découragé, mais ayez quelque chose qui vous permette de voir votre progression. Moi, je vous conseille, avant toute chose, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, effectivement, ça va être peut-être d'attaquer par mettre en place votre plan de révision sur 3 mois, 6 mois, 1 an et demi peut-être, en fonction du concours qui est le vôtre. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'important qui va vous permettre de gérer votre temps de la meilleure des façons. On manque tous de temps, c'est peut-être votre cas, parce qu'encore une fois, vous travaillez, vous avez une vie de famille, des loisirs, des amis.
C'est le cas de tout le monde. Vous n'avez pas le droit de dire j'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Soyons très clairs, le temps, on le trouve. Donc cherchez-le et dans votre méthode de travail, réservez-vous bien des points, des plans, des moments où vous allez travailler. Et vous ne faites que ça. Et des moments où vous n'allez pas travailler. Et là, vous ne faites que ça aussi. Lorsque vous êtes en loisir, vous êtes en loisir. Vous n'êtes pas en train de bosser. Vous ne pensez pas à votre concours. Donc, détermination, méthode de travail. Troisième élément qui rejoint un petit peu le précédent, c'est la rigueur et l'organisation. Je vous conseille vivement de faire des fiches de révision écrites. Et écrites, moi, je vous conseille à la main. Même si aujourd'hui, et pourtant je suis fan de tout ce qui est numérique, l'écriture à la main permet de plus facilement retenir. Notre cerveau est beaucoup plus connecté, donc je vous conseille vraiment de faire ça. D'ailleurs, en parlant de fiches de révision, vous en trouverez sur mon site, gratuitement, hein. Le lien est en dessous, n'hésitez pas à y aller également, à les télécharger. Ce sont des choses que j'alimente régulièrement, hein, sur les notions de fonction publique, de service public, de finances, de statut de la fonction publique, enfin, etc. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à y aller. Mais ça ne vous empêche pas, effectivement, aussi de faire vos fiches de révision, notamment sur tout ce qui concerne votre concours en particulier. Si vous passez le concours des impôts, il est important d'avoir des notions d'impôts, la manière dont est organisé le ministre des Finances. Si vous passez un concours des douanes, même chose, de quelle manière est organisée l'administration des douanes. Si vous passez un concours à la fonction publique territoriale, les compétences des collectivités, etc. etc. Nouvelle qualité, compétence à détenir, la capacité d'analyse et de synthèse. Alors, il est essentiel lorsque vous allez passer votre concours, lorsque vous allez préparer, de bien comprendre tout ce qui vous est demandé. Nous n'en sommes plus à l'apprentissage par cœur. Apprendre une récitation, une poésie comme on le faisait quand on était petit, c'est terminé. C'est pas ce qu'on attend de vous. De vous, on va attendre des gens qui analysent, des gens qui ont un esprit de synthèse. On parle de notes de synthèse à l'écrit, hein, notamment. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est surtout de comprendre ce que vous faites, d'être capable de l'expliquer, de le ressortir, mais pas de l'apprendre bêtement. Ça, les gens qui récitent leur définition bêtement, et que, dès que vous leur posez une question juste à côté, qui ne savent pas rebondir, c'est moyennement efficace, croyez-moi. Donc vraiment, travaillez cette capacité d'analyse, n'apprenez pas bêtement. En plus, quand vous allez comprendre les choses, vous allez les retenir. Hein, le cerveau, il est bien fait pour ça. Les choses qu'on comprend, on les retient mieux. Donc, apprenez vraiment à les comprendre, c'est vraiment l'essentiel. Attelez-vous là-dessus. Travaillez ça, cette compréhension, cette analyse. Donc quand vous allez lire des documents, faites des fiches, analysez. Trois petits points, ça peut suffire parfois. C'est de cette manière-là que vous réussirez. Bien évidemment, il va falloir pour vous travailler votre capacité, la maîtrise de la communication écrite, mais également de la communication orale. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'entraîner. Écrivez, écrivez, écrivez. Parlez, parlez, parlez. C'est important. Écrivez dès que vous pouvez. Des choses, peu importe ce que vous allez écrire à la limite, hein, mais écrivez, si vous voulez, genre le matin, en vous réveillant, si vous faites un quart d'heure, 20 minutes d'écriture, vous écrivez ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est d'apprendre à écrire, d'écrire à la main, encore une fois, de faire que son cerveau réfléchit et se met en marche pour écrire facilement, pour rédiger facilement. C'est très important, ça. C'est des choses dont qu'on n'est pas habitué à faire, donc c'est vrai que c'est un bon entraînement d'écrire. Si vous êtes au boulot, que vous prenez des notes, écrivez. Rédigez autour, faites des synthèses, faites plein de choses, écrivez, c'est important. Ça a l'air bête hein, ce que je vous dis, mais je peux vous assurer que c'est la réalité des choses et que ça fonctionne réellement. De la même manière, pour faciliter votre oral, parlez. L'autre jour, j'entraînais une dame à son épreuve orale et elle m'a expliqué qu'en fait, pour s'entraîner, elle s'est forcée parce qu'elle n'aimait pas ça, à prendre la parole en réunion. Même si c'est quelqu'un de discret, de timide, elle me dit « je vais sortir de ma zone de confort, je vais prendre la parole en réunion pour montrer que j'existe, que ça devienne naturel ». Et en fait, quand elle m'a fait son oral, après quelques secondes d'hésitation, après ça a coulé parce qu'on a senti que c'était quelque chose qui devenait naturel chez elle et qu'elle s'était bien entraînée. Je vous invite aussi d'ailleurs à télécharger mon e-book si vous le voulez sur la prise de parole en public.
qui est importante. C'est une des compétences essentielles aujourd'hui, la prise de parole, dans le cadre de la préparation au concours, mais j'allais dire même dans le cadre de votre travail. C'est quelque chose qui va vous être utile quotidiennement. Dernière compétence, et pas des moindres, la gestion du stress et la prise de confiance. C'est pas facile hein, de pas stresser. On va pas dire le contraire. Hein. Les gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont très sûrs, alors parfois trop sûrs d'ailleurs. Hein. Il faut trouver un juste équilibre. La confiance en soi, ça s'acquiert de deux manières. En travaillant énormément. Quand on maîtrise un sujet, on en parle facilement. Quand on est passionné par quelque chose, moi je connais des gens très timides, mais dès qu'ils parlent, je sais pas moi, j'ai une femme par exemple très timide, mais dès qu'elle parle de son loisir préféré qui est le chant, on l'arrête plus. Hein. Donc ça fait partie des choses. Donc parce qu'elle maîtrise, bah maîtrisez votre sujet. Vous allez voir que ça va être très facile, que vous serez moins stressé. Je refais le parallèle avec les récitations quand on était petit, quand on la connaissait par cœur la récitation. On avait moins peur que quand on la connaissait pas du tout. Hein. Donc bossez en amont et vous verrez que ça sera plus facile. Ça n'empêche pas de développer, hein, si ça vous intéresse, moi je vous invite à le faire. Hein. Il y a des gens très bien qui font ça, y compris sur YouTube, des séances de relaxation. Des séances de respiration profonde ou même de méditation, ça va vous aider aussi dans la gestion de votre stress, qui est une des choses les plus difficiles hein, à gérer lorsque l'on prépare un concours. Donc vraiment, je vous invite aussi à bosser là-dessus. Donc voilà un petit peu toutes les compétences dont on pouvait parler aujourd'hui, hein, qui sont nécessaires pour réussir un concours. Vous voyez que toutes, elles peuvent être acquises, hein. Tout est une question encore une fois, d'entraînement, de travail. Mais ça, je sais que si vous êtes là, de toute façon, si vous m'écoutez encore à la minute qu'il est, c'est que vous avez cette motivation et c'est que vous allez réussir. Moi, j'en ai aucun doute. Les gens qui sont, voilà, qui suivent des vidéos jusqu'au bout, c'est parce qu'ils sont motivés. Sinon, on va vite, c'est tellement facile de zapper aujourd'hui que ce soit sur YouTube ou autre chose. Donc, si vous êtes encore là, c'est que forcément, vous allez réussir. Donc, je suis très content pour vous d'avance, vous voyez, je suis d'un optimisme rare. Voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, pardon, à cette chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos avec certitude. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre hein, sur tous mes réseaux, tout est écrit en dessous. Likez la vidéo, ça me fera énormément de plaisir. En plus, c'est bon pour le référencement, ça fait venir du monde et c'est toujours très bien. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt.